Hey, bonjour à tous, bienvenue sur T-Gaming. Ça fait très sérieux quand je me mets comme ça. Hein. Revenons à nos moutons. Tout d'abord, c'est le début, ça part déjà en vrille, c'est pas possible. Non, aujourd'hui, j'ai eu envie, c'est dimanche, j'avais une petite heure de... J'ai une petite heure pour tourner avant de retourner au boulot. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça. Oui, ce n'est pas du Dragon Ball Z. Oui, c'est encore dans la construction. Oui, peut-être que vous en avez marre, mais pas moi. On va faire un nanobloc Pikachu, et quoi de mieux pour commencer que... J'ai dit Pikachu ou Pokémon? Oh merde, je sais plus. On va faire un Pokémon, c'est n'importe quoi. On va faire un Pikachu. Voilà, pour commencer Pokémon, je trouve qu'il n'y avait rien de mieux que Pikachu. Nouvelle licence, on refera du DBZ, parce que je vais faire toute la collection DBZ. Donc, je sais qu'il y en a qui ont d'autres personnages préférés. Il y en aura d'autres, parce que moi j'aime ça. Voilà, j'aime faire des nanoblocks, j'aime faire des Lego, donc je vais en faire plus, la chaîne sera envahie, je m'en fous, il n'y aura plus de jeux vidéo. Non, c'est faux, il y aura toujours des jeux vidéo parce que j'aime ça. Allez, c'est parti, on ouvre ça tout de suite. Oui, c'est un autre package, c'est pas comme les autres. Mais du moment que ça fonctionne, moi ça me va. Hein. Et puis c'est pas plus mal, hein, ça prend moins de place. Hop, ça va. Non mais barre-toi. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Je comprends rien. J'ai bien compris, donc, il y a 14 étapes. C'est pas trop mal foutu parce que cette fois-ci, ils mettent en couleur... Putain, on voit rien. Ils mettent en couleur seulement ce que je dois faire. Ce qui est pas plus mal, j'aime bien. J'aime bien leur concept. Et alors ça c'est génial. Ils offrent le petit support. Voilà, le petit support pour poser mon Pikachu qui est actuellement en miettes. Il sera beau, j'espère, il sera beau. Mais ça, c'est génial, un support, parce que, à savoir que sur Amazon, ces petits supports-là, qui font 4 cm sur 4 cm, ça coûte à peu près 8 euros les 4. Cette petite crotte, juste pour poser du nano-bloc. Donc voilà, bon allez, j'arrête mes conneries, j'arrête de bavasser, c'est comme ça qu'on dit, ouais, je crois que c'est ça. Et on se lance, c'est parti. Donc déjà, tout d'abord, donc, notre petit... Oh la vache, je fais tout tomber. Notre petite boîte. On a un seul sachet dans cela. On n'a qu'un seul sachet. On va se marrer, il y a beaucoup, beaucoup de jaune. Alors, je viens de terminer la première page, et ce que je peux déjà dire tout de suite, c'est que ça va bien plus vite, mais bien plus vite que les Dragon Ball. Hein. Je suis, on voit vraiment déjà quasiment à quoi il va ressembler. Il me reste juste ce petit coin à faire, et par contre au niveau maintien, j'ai vraiment pas peur de le prendre en main. Hein. Ça tient très très bien, mais c'est vrai que c'est bien plus simple. Là, je pense qu'on est à du... 1 sur 5 étoiles, si on doit remettre les étoiles. Hein. Donc, c'est fun. Ça reste fun. On continue. Ça y est, il est terminé. Il est choupinou. Regardez, il est choupi. Il est très 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 mignon. Assez solide. Clairement assez solide. Hein. Par contre, un petit bémol sur au niveau des oreilles. C'est... ça tient, regardez. Là, le temps que je parle, ça bouge déjà au niveau des oreilles. Oh la vache. Voilà, il y a juste les oreilles qui sont très 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 fragiles. Ça tient sur un rien. Ça tient sur un rien. Mais je ne sais pas encore où je vais les mettre. Et par rapport alors à la taille d'un DBZ, attention, tour de magie. Pouf, les voilà. Voilà, par rapport à un DBZ, bah on est... Je pensais que ça serait bien plus petit qu'un DBZ, mais finalement, bah ça se vaut, hein, ça se vaut à pas grand chose. Je vais essayer de vous mettre ça sur l'autre caméra. Tac, voilà,
hop, mon petit juste à côté. Ça se voit pas très bien comme ça en fait, hein. Je suis conscient que ça ne se voit pas très bien comme ça. Voilà, on va essayer de... Je vais essayer de les aligner. On est à... Ah, il y a quoi ? Un demi centimètre de différence. Un bon centimètre de différence. Un bon centimètre, on est d'accord. Mais ça rend pas mal, je sais pas où est-ce que je vais les mettre. Je ne sais pas où est-ce que je vais le mettre dans la collection. Parce que... Alors, pour voir à peu près, le coin Pokémon est caché derrière ce bordel là. Derrière tout ça, en bas, il y a un coin Pokémon avec Pokéball, les jeux, des guides, voilà. Donc il ira sûrement là. Mais bon, une fois le déménagement effectué, je vous referai la salle. Ça sera beau. Et là, je vous montrerai le coin Pokémon. Mais en tout cas, j'en ai d'autres. Ce n'est pas fini. Vous allez en bouffer. J'adore ces conneries. Et en tout cas, si ça vous a plu, moi ça m'a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager le pouce bleu. Parce que clairement, c'est la grande motivation. Quand je vois un abonnement, un pouce bleu, c'est que ça plaît. Et c'est une des plus grandes satisfactions que j'ai quand je fais ça. Déjà, à y prendre du plaisir, ça c'est sûr. Et en plus, quand je vois que ça me plaît, mais alors là, c'est summum. On s'envole, quoi. Allez, je vous dis à la prochaine pour un autre... Pas un autre nanobloc, sauf si vous vous intéressez qu'au nanobloc, mais voilà. On se voit pour une prochaine vidéo. À la prochaine, et puis salut. Allez, va-t'en. Oh, attendez. Le socle. Est-ce que ça tient? Est-ce que ça tient? Et ça tient! S'il tombe, je suis mort. Bon, ça tient, c'est super. Merci, nanobloc, c'est génial. Allez, salut.